Demain, il donne un concert à Sienne pour la première fois. Mais pourquoi vous y allez pas toutes les deux? Il faut que vous demandiez la permission encore. On est des filles. Si on était des garçons comme toi, on n'aurait rien à demander à personne. Tu décides de tout et pour tous. Tu crois que je suis heureuse? Tu ne crois pas que j'aurais préféré avoir un mari normal, un homme qui s'occupe vraiment de sa famille? Oscar, tu me donnes à manger, oui ou non? J'ai déjà mangé, oncle Gougo. Moi, j'ai mangé. Vous avez déjeuné il y a un quart d'heure. Et après, vous êtes monté dans votre chambre. Ça, vous l'avez oublié. Et là, maintenant, vous êtes redescendu me casser les pieds. Et pourquoi ce serait de ta faute? Maman pense que c'est de sa faute. Oui, mais alors, nous n'avons plus qu'à vendre quelque chose, Nardone. Écoutez, je ne vous dirai qu'une seule chose, monsieur le comte. Quand on vend, ce n'est plus à soi. Le 10 du mois prochain, nous nous retrouvons tous chez le notaire. Ça sera pour la passation de propriété. Bonne mère du pare-brise! Attends, j'y retournerai pas! Écoute, je te fais une proposition. Je te reprends le tout, j'arrange tous les coups. Mais tu restes là et tu fais marcher la baraque. Autrement dit, tu reprends clé en main, avec moi dans le lot, à égalité avec les chevaux, la volaille, les moutons. Regarde, toi, tu étudies à Sienne, je crois. Oui, mais là, je vais me marier et je m'installe à Rome. Tu te maries? Mais quand? Dès que tous nos papiers seront en règle. Ah non, non, bon Dieu, je veux une réponse ce soir. La réponse est non. Mais pourquoi? Parce que je n'y crois pas, moi, à ce projet. Non, tu ne crois pas en moi. En fait, tu n'as jamais cru en moi. Mais moi, je l'avais compris que cette fois, il était à bout. Et j'avais même dit à maman qu'il fallait essayer de l'aider. Ok, madame Franca, tu te permets, toi, de me parler d'amant? Toi qui t'es fait pincer au lit avec ton copain par ton père et qui sais le mal que ça lui a fait. Je le sais. Quand je pense que j'ai failli décider de rester ici, mais je vole autrement mieux que les pigeons, moi, en 2 heures, je suis à Rome. Allez, toi, tu le lances et après, on s'en va. Allez. Vas-y. Ah, ne me dis pas de me calmer ou je t'en balance un autre, intellectuel de merde! Regardez, madame, regardez! Qu'est-ce que tu en dis, toi, Elena? Qu'est-ce que tu veux que j'en dise? Pourvu que ce soit une fille.